changer le but. On est maintenant dans le 5M3, c'est appliquer des stratégies de calcul mental pour les faits de multiplication et de division jusqu'à 9.9. Alors, maintenant, le matin, lorsqu'on va sortir la duotangue des maths du matin, ce ne sera pas le nombre du jour, ça va être la multiplication de la journée. Cette phrase-ci, elle est différente de ce qui est au projecteur, mais ça, c'est une pratique pour vous aider à voir qu'une multiplication peut être représentée de façon concrète, symbolique et imagée. C'est juste un petit peu différent qu'un nombre. Alors, si on regarde la multiplication 4 fois 3 égale 12, comment appelle-t-on le 4 et le 3? Oui. Les facteurs. Oui, ce sont les facteurs. Maintenant, une question pour vous. Est-ce que 4 et 3 ou 3 ou 4, ça fait une différence l'ordre dans lequel ils sont? Oui? Non. Non, ça change absolument rien. Tu as en plein raison. Parce que je fasse ça ou que je fasse l'inverse, la réponse va être la même. Comment appelle-t-on la réponse d'une multiplication? Oui? Le produit. Excellent. Alors, n'oubliez pas, facteur produit. Parce que, quand on dit que ça fait rien l'ordre des nombres, vous allez voir quelque chose de pas mal incroyable. Si on regarde dans la petite maison, c'est un peu comme quand on parlait des familles. Okay? Alors, on a besoin de tous les morceaux pour compléter l'équation. Dans ce cas-ci, on te dit 4 fois 3 égale à 12. Mais on te dit que 3 fois 4 est aussi égal à 12. Donc, on a changé les facteurs de place. Et là, pour voir que, hier je vous ai dit, la multiplication est un raccourci de l'addition. Bravo! Mais, la multiplication et la division sont aussi liées. Parce que si je dis que j'ai 4 groupes de 3 ou 3 groupes de 4, en tout j'ai 12. Mais quand on voit la division, c'est comme une multiplication à l'envers. Alors, le produit devient le dividende qu'on appelle. Alors, 12 divisé par 3, qui manque-t-il dans la famille? Ah, il manque le 4. Et 12 divisé par 4, qui manque-t-il dans la famille? Il manque le 3. Alors, une multiplication, on le voit comme ça, et la division, on la voit à l'envers. Le produit devient le dividende qui se fait diviser et qui donne un quotient. Donc, multiplication et division sont reliées aussi. Alors, vous allez me dire, madame, la multiplication est un raccourci de l'addition et la division et la multiplication vont ensemble. Alors, oui, c'est exactement ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important de bien connaître vos faits de multiplication. Parce que si tu connais bien tes faits de multiplication, tu vas bien connaître tes faits de division. Si tu connais bien tes soustractions, additions, tout est relié en maths. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps qu'il faut afin d'apprendre comme il faut les faits de toutes les opérations mathématiques. Si tu ne sais pas que 8 plus 2 est 10 parce que tu ne connais pas les amis de 10, il faut que tu passes du temps là-dessus. T'es double, 2 plus 2, 3 plus 3, je vous l'ai dit, même chose en multiplication. Ça, c'est la base. Quand tu as ça, le restant est beaucoup plus facile. Un jour, vous allez faire de l'algèbre, on va voir les fractions. Vous allez avoir besoin de simplifier les fractions. Et quand on connaît nos faits de multiplication et de division, tout ça va être plus facile. Je vous l'ai dit, en cinquième année, dans mon programme d'études, la seule chose, le seul rase qui a une boîte autour, c'est celui-là. C'est celui-là le plus important de toute l'année. C'est pour ça que sur la feuille de devoir de la semaine, c'est écrit à chaque semaine depuis le début de l'année de pratiquer vos faits de multiplication. Et pour certains d'entre vous, je le dis, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Je vous dis tout de suite, ça va être difficile en sixième jusqu'au secondaire si vous ne les connaissez pas. Prenez-moi au sérieux, s'il vous plaît. Je ne le dis pas pour rien, je ne le dis pas pour le fun. C'est important. D'accord? OK. Alors là, si on regarde ici, on a dit que 4 fois 3 égale à 12. Bien, là, on est en train de faire des bonds de 4. N'oubliez pas, hier, on a vu, on dessinait les groupes et combien d'éléments dans chaque groupe. Sur le tableau de 100, utilise la grille de 100 pour trouver le produit. Alors, ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que tu peux voir, si on regarde la table de multiplication de 4, ce sont tous des bons de 4. 1 fois 4, c'est 4. 2 fois 4, c'est 8. Ensuite, 3 fois 4, 12. Ça monte par bons de 4. Alors, ce que tu fais sur le tableau de 100, tu me montres 4, tu fais un bond de 4, un autre bond de 4, un autre bond de 4. Et essentiellement, tous les nombres que
fait, ce sont les produits possibles pour la table de multiplication de 4. Alors, on fait des bons de quoi? 4. Parce que c'est 4 fois 3. Si c'était 3 fois 4, tu ferais des bons de 3. Oui, alors j'en s'appelais le 3, j'en s'appelais le 6, le 9, le 12, ainsi de suite. Et vous allez voir que sur votre feuille, il y a exactement le tableau de temps où vous allez devoir faire ça. OK? On continue. Alors, je vais monter. Alors, dans la maison, on a vu qu'ils vont ensemble. Ici, on va encercler les produits possibles. Et ça, plus tard, on va parler des facteurs communs, tout ça. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Mais c'est des nombres. À chaque fois qu'on voit le lien entre les produits, on est capable d'apprendre un peu mieux nos tables de multiplication quand on connaît ces choses-là. Alors, le plus de façons qu'on le voit, ça va cliquer pour tout le monde de façon différente. Donc, je vous montre différentes stratégies parce que chacun d'entre nous apprend d'une différente façon. Ça va? OK, on continue. Alors, je vous ai dit que la multiplication, OK, c'est un raccourci de l'addition. Mais là, on te demande, représente la multiplication avec une addition répétée. Alors, quoi plus quoi plus quoi? Ou quoi plus quoi plus quoi plus quoi plus quoi plus quoi plus quoi? On est en train de donner l'addition. Alors, on a dit, c'est 3 fois 4. 3 fois 4, c'est comme 3 groupes de 4. Alors, 1 groupe, 2 groupes, 3 groupes de 4. Alors, 4 plus 4 plus 4 égale à 12. OK? Et l'inverse, tu pourrais faire 3 plus 3 plus 3 plus 3 égale à 12, qui est 4 groupes de 3. Alors, vous allez faire les deux dans la feuille que vous avez là. Et c'est écrit, je te demande de faire les deux. Là, on a un quadrillage. Représente la multiplication sur le quadrillage. Ça, c'est vraiment le fun. Sur la feuille que je vous ai donnée, on parle de zone de points. Mais si vous regardez, ça revient à la même chose, vraiment, là. Est-ce que vous avez déjà joué à Tetris? Oui. OK. Tetris ou bien à Blocus? Oui, oui. J'ai ce jeu à la maison. OK. Alors, si j'ai 3 fois 4, OK? Alors, ce que je dois faire, regarde les carrés ici. Il y a un carré, deux carrés, trois carrés. Alors, comme ça, ça représente 3. Et ici, il y a un carré, deux carrés, trois carrés et quatre carrés. Alors, je devrais faire ça. Désolée, de l'autre côté. Alors, comme ça, et c'est 4. Alors, c'est comme dire 3 fois 4. Ça veut dire que si je compte les petits carrés qui sont à l'intérieur, je devrais en avoir combien? Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que j'ai fait 3 fois 4. Maintenant, les points, il ne faut pas regarder les points, compte pas les points. Tu dois compter les traits entre les points qui nous démontrent où sont placés les carrés du quadrillage. Alors, vous allez faire et on représente ça comme ça. Bientôt, je vais vous présenter un jeu de multiplication qui est le blocus des multiplications. Ça, c'est vraiment le fun. Alors, je vais rouler un dé. Si je roule un 2 et un 3, par exemple, sur ma feuille, puis là, je vais utiliser cette feuille-là pour faire semblant que c'est ma zone de jeu. Si j'ai roulé un 2 et un 3, je dois dire que 2 fois 1, 2, 3 égale à 6. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et tada, j'ai raison. Parce que 2 fois 3 est égal à 6. OK? Mais là, ce quadrillage-là ici représentait 3 fois 4 était égal à 12. OK? Donc, ça, c'est le quadrillage. Ensuite, ça, on a pratiqué hier, représente la multiplication avec des groupes. Alors, il y a un groupe. On va attendre que mon courriel disparaisse, là. Il y a un groupe de 3. J'ai 4 groupes. De combien d'éléments? 4. Non? 4 groupes de 3 éléments. Alors, il y a 3 petites coccinelles. C'est plus beau que des points dans chacun des groupes. Ensuite, on dit qu'il y a 4 groupes de 3. Il y a 3 coccinelles dans chaque groupe. OK? On a décrit. Ensuite, oh, ça, j'ai dit, vous aimez ça, des résolutions de problèmes.
dis tout de suite, elles sont très simples pour vous habituer à voir c'est quoi une résolution de problème avec une multiplication. Regardons. On te dit, une araignée a 8 pattes. Combien de pattes a 4 araignées? Utilise des images, des nombres et des mots. Et là, vous allez remarquer, le problème ne va pas avec la table de multiplication. Si ça avait été moi, j'aurais fait certain que le problème aille avec. Mais c'est pas moi qui ai préparé la fiche. Alors, si une araignée a 8 pattes, j'ai fait une araignée à 8 pattes, mais on dit que combien de pattes a 4 araignées? Alors, excusez-moi, une araignée, deux. Est-ce que ça vous fait ça quand vous êtes dans la lumière éternuée? Quand je regarde le soleil, moi, on va dire que c'est ça, oui? Alors, j'ai une araignée, deux araignées, trois araignées, quatre araignées qui ont 4 araignées et chacune a 8 pattes. C'est comme dire 4 groupes de 8 pattes égale 32. Ou, l'addition répétée, 8 plus 8 plus 8 plus 8 pattes égale 32 pattes. Donc, 4 araignées ont 32 pattes en tout. OK? Cette feuille-là, on va la regarder ensemble seulement demain. Pour aujourd'hui, vous allez pratiquer sur la feuille verte que vous avez, qui ressemble beaucoup plus à ce qui est au tableau, et vous allez me faire cela les deux pages. En regardant l'exemple que nous avons au tableau, je veux que vous essayiez de le faire vous-même. Ça va, ça? Oui. OK, on y va. Salut, vous autres.